Salut! Alors là, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je suis venu expertiser quelques Mustangs et quelques Mercedes chez nos amis de Sports Car LA. Donc, sans plus attendre, je vais vous faire un petit tour pour vous montrer ce qu'il y a. Donc, ils sont spécialisés dans les voitures anglaises, dans les Mercedes, mais il y a aussi de temps en temps des voitures comme des Porsche ou des Mustangs. Donc là, par exemple, cette superbe petite Lotus GPS, donc de 73. Ça vaut dans les 85 000 dollars. Regardez-moi ce petit jouet. Après, bien entendu, de la Triumph. Mercedes 560 SL, ça c'est vraiment une de leurs spécialités. Enfin, c'est même leur spécialité. Celle-ci, par exemple, Navy Blue avec l'intérieur tan. Très très recherché, très belle voiture. Ensuite, D560 rouge, alors intérieur noir, intérieur beige, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Je vous donne des exemples de prix. 34 750 pour celle-ci, qui a 68 400 miles, donc c'est vraiment très léger au niveau kilométrage. Très belle caisse. Donc sur les Mercedes, bien entendu, on regarde toujours l'état de la boiserie à l'intérieur, l'état de la sellerie, bien sûr corrosion. Donc là, eux, ils sélectionnent vraiment des voitures de qualité. Celle-ci, très très jolie. J'aime beaucoup la teinte navy de cette Mercedes. Pareil, 560 SL qui est aussi donc en navy avec l'intérieur tan. Donc là, celle-ci, c'est une des plus chères qu'ils ont en ce moment. On n'est pas loin des 40 000 dollars. Voilà. Mais la couleur aussi. Donc, je discutais avec Edouard ici. Et donc, il me disait que sur ces voitures-là, kilométrage égal, état égal, la rareté de la couleur joue aussi pas mal sur le prix de la voiture. Voilà. Voilà, des couleurs un petit peu plus classiques. Ici, on a une Porsche Cabriolet. Donc, c'est une 84, c'est une 3 litres 2 avec la boîte 915. Le prix est très intéressant, 34 750. Donc ça, pour quelqu'un qui veut la finir et la repeindre, parce que là, elle est en peinte en noir mat. Donc c'est une voiture qui était noire déjà à l'origine. La capote va devoir être changée. On a besoin aussi de mettre une nouvelle moquette. Il n'y a plus les parties de siège arrière aussi, c'est un petit peu manquant. Mais il y a eu 5 000 dollars de révision moteur chez un spécialiste Porsche. Et elle a les ailes. Turbo look en tôle, donc c'est pas de la fibre rajoutée, donc c'est voilà, c'est vraiment le kit large avec les jantes qui remplissent bien les ailes, montées avec des pneus Michelin. Donc ça peut être pas mal aussi pour quelqu'un qui veut accéder à une Porsche de ces années-là, donc une G cabriolet à un prix qui est vraiment abordable. Petite Jag XK 150. Donc ça, c'est une voiture aussi très rare. 134 000 dollars, 61 000 miles. Superbe. XK 150. Voilà, donc il y a pas mal de caisses. Donc comme vous vous en doutez, nous, on est venu voir cette Fastback. Donc le prix est de 67 000 dollars. 67 000 dollars. Bon, il y a un petit peu de, il y a un petit peu de taf pour nous parce qu'il y a des choses qui sont pas tout à fait comme on aime. Donc, les sièges type baquet. Par contre, c'est une boîte mécanique, code C. Et il y a aussi un arceau qui a été installé. Donc là, c'est plus pour les gens qui veulent faire un peu de track days. Voilà. Grise bande noire. Moteur avec les petits goodies habituels, hein, admission, carbu, collecteur, etc. Donc il y avait ça, les jantes, donc kit frein à disque, les jantes Torque Thrust, American Racing. Voilà. Après il y a
Mercedes classique, 4 doors, 4 doors, 280 SE. Et de la Mercedes, encore de la Mercedes. Là en bas, une petite Ferrari, mais elle est déjà vendue. Sympa, j'aime bien leur local. Il est vraiment cool. Un joli showroom avec cette partie en bas là, ça fait vraiment. Ça donne envie de faire carrément un loft là-dedans avec vue sur les bagnoles. Pour les fondus de voitures qui nous regardent. Donc là, c'est une petite Koji, une vraie GT. Donc là, celle-ci nous intéresse, mais c'est une voiture qui a besoin de peinture. Et malheureusement, vu que c'est une vraie GT 68 et qu'en dessous, elle est parfaite, elle fonctionne super bien, le prix est déjà très élevé. Donc c'est une voiture qui est déjà proposée à 38 000 $. Donc 38 000 $, il faut qu'on fasse nos petits calculs pour voir avec notre révision pour le marché français et puis éventuellement une reprise de la peinture, bien entendu, toute la baie moteur, etc. À reprendre, tout ce qu'il faut pour que la voiture soit impeccable. Le mec faisait partie du Mustang Club de Californie. Elle est ultra saine, ultra sèche. Donc là, il y a des sièges baquets dedans, mais ils ont aussi les sièges d'origine. Donc j'imagine qu'ils vont être à refaire, je ne les ai pas encore vus. Voilà, donc c'est une caisse qui est intéressante, qui est vraiment intéressante. Donc la couleur, c'est Sunlit Gold, comme vous avez certainement vu chez nous déjà, le cabriolet qui est parti chez Vince, chez Vincent, dans le 44, un port 44. Et on avait aussi vendu à Dimitri la très belle fastback Monsieur X, la fastback gold aussi. Voilà, donc c'est vraiment la couleur. C'était une couleur qui était très prisée à l'époque en 68. Voilà, couleur d'origine, Sunlit Gold. Voilà. Après ici on a une petite Porsche, pareil, donc là celle-ci c'est une Targa. Alors autant cette Porsche-là est un import européen, donc on voit qu'elle a les phares européens. Donc c'est ce qu'on appelle une grey market, elle a été importée d'Europe directement. Et celle-ci était vendue neuve en Californie, enfin aux États-Unis. Voilà. 146 000 miles, noir, intérieur noir. Voilà. 47 750 $. Voilà. C'est une 78. Complète. Targa 911 SC, donc avec le 3 litres, il me semble. Voilà. Et après, toute une série de Mercos, principalement des 560, avec plein de styles, de combinaisons de couleurs différentes. C'est ça qui était sympa dans ces voitures-là. C'est qu'il y avait plein de combos de couleurs. Voilà, on pouvait choisir du blanc, du beige, du noir, bleu, beaucoup de rouge. Voilà. Voilà pour le petit tour chez nos amis de Sportscar LA. Alors nous, on travaille avec eux depuis un bout de temps. On leur a déjà acheté pas mal de voitures pour des clients à nous. Vous avez certainement vu dans les vidéos. Et notre mode de fonctionnement, c'est un petit peu comme chez Beverly's Car Club. C'est-à-dire qu'on... Les gens nous disent, tiens, j'ai repéré cette voiture chez eux, ou alors je cherche telle et telle voiture. Nous, on vient ici, on leur demande de les mettre sur le pont. On fait toute l'expertise, on vérifie que tout est OK. Et ensuite, comme ça, on peut vous l'envoyer tranquillement, soit directement chez vous, soit ça passe par Socal Frenchies France à Boulazac, à côté de Périgueux. Et là, s'il y a une révision à faire, ou une carrosserie, peinture, des choses comme ça, voilà. Donc le mode de fonctionnement, et on essaye de le rendre le plus simple et le plus limpide possible pour vous. Voilà. Donc il s'agit de vieilles voitures, donc il y a plein de choses à voir. On ne peut pas forcément voir tout à 100%, et les voitures ne sont pas parfaites. Maintenant, il y a des choses... Je vais vous faire un petit highlight sur la Mustang Cabriolet qui est juste ici.
Et comme ça, ça va illustrer un petit peu mes propos. Donc ça, voilà, c'est une voiture qui est affichée à 41 500, il me semble, sur leur site. Je vais ouvrir le capot. Donc c'est un petit cabriolet Côte C. C'est une voiture qui a été fabriquée aussi sur la côte Est. Donc au niveau de la baie moteur, rien à signaler. Donc c'est une voiture qui loue de temps en temps pour des films, pour des vidéoshoots ou des photoshoots. Donc voilà, c'est un combo de couleurs qui est assez particulier avec ce bleu clair, un peu baby blue, avec l'intérieur blanc cassé, capote coordonnée. Voilà, donc c'est une voiture qui présente super bien. En revanche, je me suis penché un peu en dessous et je vais vous montrer ça. Donc il y a deux, trois trucs qui m'ont paru pas tout à fait d'origine. J'allume ma lumière et je vous montre ça tout de suite. Voilà. Donc on voit ici que les planchers ont été changés et les vis que vous voyez là, ça, normalement, il n'y a pas de vis comme ça. On voit aussi qu'au niveau des longerons, on a une structure, on a un undercoating avec une structure assez épaisse. Et ça, on essaye de... Voilà, malheureusement, on essaye de sélectionner les voitures qui n'ont pas vraiment ça parce que c'est difficile de voir ce qui se cache en dessous. Donc là, ici, les planchers ont été changés. Ça se voit, bien entendu. On voit ici à l'arrière et ils ont mis une espèce de pâte. Vous voyez là, pâte un peu caoutchouteuse. Voilà. Et il y a des endroits où on voit aussi que c'est certainement une voiture qui a connu pas mal de problèmes de rouille. Donc ils ont certainement réparé ce qu'ils pouvaient le plus gros, mais il est tout à fait possible qu'il y ait d'autres endroits qu'ils n'aient pas vraiment pu réparer. Et là on voit, alors ça c'est fréquent, hein, c'est un endroit très très fréquent ici sur ces voitures-là, mais... On va regarder si le caisson est touché aussi. Ça nous permet de faire un petit tour. Donc là, on voit que le caisson, il est, voilà, il n'est pas abîmé. Donc ça, c'est une bonne chose. Voilà. Donc là, bon, pour un carrossier, c'est pas insurmontable de couper ici un bout de tôle, refaire ça proprement. Voilà. C'est un petit peu dommage parce que la voiture présente vraiment bien. Qui est sympa. Et donc, comme on disait avec Edouard, c'est parfait pour les gens qui veulent s'en servir, qui veulent profiter, qui cherchent pas non plus une voiture de concours et tout parfait, elle va pas s'autodétruire. C'est vrai que nous on a tendance à être quand même assez picky, c'est-à-dire assez chiant. Et là on voit quand même, vous voyez avec la lumière, je vais vous montrer avec la lumière le mieux possible. On voit quand même que c'est pas sain comme une voiture de Californie ou une voiture qui est restée vraiment à l'abri, tu vois. Enfin, vous voyez, on voit bien que c'est, ça n'a rien à voir avec ce que nous on vous montre, ce qu'on a au garage. Genre de qu'est-ce que qu'on sélectionne avec Alex, vous voyez. Voilà. Donc c'est difficile de voir, mais on se doute que c'est pas le top. Voilà. Donc là, celle-ci, par exemple, même s'il nous offrait un super deal, c'est pas une voiture sur laquelle on saute. En revanche, si on a quelqu'un qui est intéressé et qui veut une voiture qui est un petit peu moins chère que la même en parfait état californienne, ça peut être intéressant. Voilà. Avec le cours de l'euro qui, pour l'instant, malgré la guerre, est toujours quand même plus fort que le dollar. Il a baissé un petit peu, mais il reste encore avantageux. Voilà. Et donc, pour vous montrer à titre de comparaison, on va aller jeter un petit coup d'œil rapidement sous les soubassements de celle-ci. Et vous allez voir tout de suite ce que j'évoquais. La démonstration par l'exemple, on appelle ça. Voilà. Donc là, vous voyez, pas de traitement. Plancher d'origine. Là, ils ont soudé sur les longerons, enfin donc sur la,
le subframe avant, ils ont soudé ce qu'on appelle des subframe connectors. Donc ça, c'est pour rigidifier la voiture. Voilà. Donc ça, c'est pas d'origine. Les soudures, c'est pas du Pierre Blood Motorsport, hein, mais voilà, ça a dû être fait il y a quelques années. Mais voilà, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'avoir une caisse avec les soubassements impeccables comme ça. Je vais vous montrer, toujours à titre de comparaison, je vais vous montrer les longerons arrière qu'on a regardé sur le cabriolet. Vous allez voir ici, pareil, l'absence de traitement de surface. Et ça, c'est top parce que voilà, voilà, vous voyez le châssis, voilà. Là, voilà, ça, c'est ce qu'on aime. Ça, c'est exactement ce qu'on aime. Le problème, c'est que malheureusement, c'est une vraie GT californienne. Il y a eu beaucoup de travaux mécaniques. La ligne et tout, moteur fonctionne à merveille, tout a été refait, moteur, boîte et tout. Et le prix, il est un petit peu élevé pour moi. Voilà. Il est encore un petit peu élevé. Parce que bon, faut quand même qu'on prévoie une carrosserie, peinture, toujours des petites bricoles à faire. Voilà, bien sûr, se débarrasser des choses qui sont pas très très utiles, comme ce gros extincteur en plein devant les pieds là. Alors autant c'est une bonne idée d'avoir un extincteur avec vous dans une ancienne voiture, autant je suis plutôt d'avis de le mettre à un endroit un peu plus discret. Voilà. Voilà, je suis un petit peu partagé à vrai dire, les copains. Voilà, donc la voiture me plaît. J'ai encore un petit peu de mal à me résoudre à... Enfin, comment vous dire, j'ai encore un petit peu de mal avec cette hausse des prix qu'on a vu et qu'on voit et qui continue là depuis le Covid. Donc on essaye quand même de continuer à trouver des... Voilà, j'enlève la lumière parce que je l'ai en pleine face. On essaye quand même de continuer à trouver des voitures comme celle-ci. Et très très logiquement, si on la trouve nous-mêmes et qu'on passe pas par un intermédiaire, on peut la toucher un peu moins cher. Mais faut être chanceux, faut être sur le coup. Voilà. Voilà, je vous raconte un petit peu les détails de notre boulot, mais c'est important que vous compreniez. C'est que nous, on est sur les annonces en permanence pour essayer d'acheter en direct. Mais parfois, quand on cherche, par exemple, une vraie GT comme celle-ci dans un état exceptionnel, bah, si c'est un professionnel qui l'a trouvé avant nous, eh ben, il faut se résoudre à la payer un petit peu plus cher. Mais on sait qu'on a quelque chose de qualité. Voilà. Donc, il y a quelques années, on en trouvait plein partout. Donc, on se dit, OK, c'est pas grave, lui, elle est un peu chère, je vais trouver une autre. Là, maintenant... trouver une vraie GT dans cet état-là, bonne chance. Allez, moi je vais retourner à la base, faire un petit rapport à mes collègues et amis, et puis voilà, on va continuer à travailler, et peut-être que le temps que vous voyez cette vidéo-là, on aura pris une décision, ou peut-être qu'on aura choisi une de ces voitures, je ne sais pas encore. En tout cas, si une voiture vous intéresse, vous regardez sur le site, je vous le mets toujours le lien... Dans nos différents postes, vous avez le lien pour regarder ce qu'on a déjà en stock ou ce qui est déjà en transit en direction de Bouboule. Et si il n'y a pas votre bonheur parmi ce qu'on vous propose, vous n'hésitez pas à nous envoyer un message sur la page Socal Franchise ou sur notre mail socalfranchise en un seul mot @gmail.com avec vos idées, ce que vous cherchez. Et on en parle, on se fait une petite visio, on voit un petit peu ensemble ce qu'on peut faire pour vous. Et puis voilà, on s'occupe de tout. Portez-vous bien et à la prochaine. Tchuss !